Banks, Banks les gens, c'est QS Banks. Bien ou quoi les mecs? Tranquilou bilou. Moi ça va nickel. Alors on se retrouve sur GTA Online, comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne GTA. Là on se retrouve pour un top 5 des portes secrètes. J'en ai fait un la semaine dernière qui a plutôt bien marché. Donc je vous remercie les gars, à tous les nouveaux abonnés, etc. Continuez. Pour ceux qui connaissent pas, on fait des montages de drift, une série Vagos Locos. Et des petits trucs comme là, des top 5, des trucs comme ça, je t'invite à t'abonner. Alors numéro 5, on commence tout de suite, c'est au quartier mythique de Grove Street. Alors il y a une petite porte que je vais te montrer après, la petite fusillade. Il y a une attaque de gang en général dès que tu commences à tirer dans ce quartier. Moi je vais pas te faire un détail du quartier, il est connu, c'est la fameuse rue avec la boucle à la fin. Voilà. Juste ici, t'as une petite porte qui s'ouvre. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'un jour il y aura un DLC ou quoi. Mais bon, ça peut être sympa pour se cacher pour les flics ou pour les attaques de gang. Voilà. Numéro 4. Alors j'ai mis celui-ci. Celui-ci est très connu normalement. Pour pas le connaître, faut vraiment être nouveau sur le jeu. Mais il a été oublié, moi, je trouve. Parce que j'ai même des amis qui s'en rappelaient même plus que ces garages s'ouvraient. Donc voilà, je voulais te les montrer. Tous les garages que tu vois dans ce commissariat s'ouvrent. Et ça peut être plutôt sympa pour faire un montage, ceux qui aiment faire les flics, etc. Où tout le monde part en même temps, là, des garages. Voilà, ça peut être une petite scène sympa. J'ai bien à te le montrer. Alors, numéro 3. Numéro 3, c'est à l'aéroport. D'ailleurs, à l'aéroport, je t'invite à regarder. Il y a plein d'endroits secrets avec des portes, oui, même des trappes sur un toit vers Pegasus. Je t'invite à regarder. J'ai mis celui-ci parce que, comme d'habitude, je trouve qu'il est plutôt détaillé au niveau de l'éclairage, c'est sympa. Et ça fait comme un décor d'école ici. Donc pour ceux qui veulent faire des montages, moi je vois toujours en mode édition ce que je te montre. D'où le classement, voilà. Donc ça peut être sympa. Numéro 2. Alors ça c'est un de mes préférés. D'ailleurs j'ai un montage vidéo qui s'appelle Super Sport TV. Je vais faire un par mois où on va tester une voiture. Et je vais faire un petit montage vidéo, comme un clip vidéo de 3 minutes chaque mois. Donc j'en ai déjà fait un, je t'invite à aller le regarder. Et donc voilà, c'est open spray et t'as une petite porte sur le côté, il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas et dedans t'as une espèce de bureau plutôt sympa avec un drapeau américain, des posters de femmes à poil et un petit garage. Donc je trouve que pour l'édition comme d'hab ça pète. Voilà. Numéro 1, alors celui-ci il est pas connu, alors si tu connais quelqu'un qui le connaissait, ben, tu me diras. Si toi tu le connais, ben, je t'invite à aller dans l'espace commentaire à me dire où il se trouve. C'est pour ça que je ne vais pas te montrer le lieu. Je te demande pour une fois une petite interaction avec moi. Je te laisse découvrir où c'est. Je t'ai montré un petit peu, tu regardes. Et tu me dis ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu les mecs. Le numéro 1, c'était du inédit. On se capte plus tard, on se tire dessus. Banks, Banks les gens.